Eh bien bonjour et bienvenue dans le Wet Watcher numéro 10. Cette fois-ci, nous allons réaliser des escalopes de dinde aux petits légumes, avec une préparation relativement spéciale. Donc pour cela, il va nous falloir 2 escalopes de dinde, 1/2 citron, du persil haché, 4 cuillères à soupe de crème, très peu de matière grasse, un demi poivron rouge, un demi poivron vert et un demi poivron orange coupé en lanières très très fines, un navet pareil coupé en lanières très très fines, 2 carottes coupées en lanières très très fines, une pomme de terre coupée en lanières très très fines, tout est coupé en lanières très très fines, sauf les 2 courgettes qui elles vont être évidées pour faire des petits paniers dans lesquels on mettra le reste des légumes. Alors il va nous falloir également du paprika et du thym. Voilà, on va commencer d'abord par la sauce. Ah, une chose que j'avais oubliée, il va nous falloir aussi des petits bouquets de brocoli. Alors, dans le Momix, nous allons mettre la crème fraîche. Une cuillère de jus de citron. Voilà. Nous allons mettre le persil. Pas tout. On va en garder quand même pour la décoration après. Encore un peu. Voilà. Du thym. Le paprika, ah, ça j'ai oublié de l'ouvrir, c'est pas mal. C'est fait. Le poivre. Moi j'aime bien poivrer, mais ça dépend des goûts, et le sel. Et voilà, et maintenant, on va mettre tout ça à chauffer à 37 degrés pendant 10 minutes. Donc c'est parti. Minutes, 37 degrés et en vitesse mélange. Et pendant ce temps-là, on va faire rissoler les escalopes de dinde. Et bien voilà, ma sauce est prête. Je l'ai récupérée dans un bol. Je la mettrai peut-être tout à l'heure au micro-ondes à réchauffer, on verra. J'ai préparé mes petits paniers de légumes que je vais mettre, que j'ai mis dans le varoma, et maintenant on va mettre ça à cuire avec les escalopes. Voilà les 2 escalopes rissolées par-dessus, et il n'y a plus qu'à mettre à cuire. Alors c'est parti pour 30 minutes de cuisson. Position varoma. Et position 1, c'est parti. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Et bien voilà,
notre préparation est terminée. Il va plus y avoir qu'à manger. Ça semble joli, ça risque d'être très bon. Eh bien, je vais tester et je verrai bien. Et bien voilà qui termine le Wet Watcher numéro 10. J'espère que vous ferez cette recette et que vous l'apprécierez, que vous allez vous régaler. Voilà, c'est fini, donc je vous souhaite un bon dimanche. Une bonne fin de week-end et je vais boire un petit coup à votre santé. Allez, à la prochaine. Ciao.